chassidut.org. Un de Rebbe polonais, je ne sais pas quel Rebbe exactement, mais un grand sadi. Et comme ils ont fait plusieurs enfants, ils ont partagé entre eux qu'est-ce que chacun va faire pour le Yortzeit. Un a dit, lui va prier Shachit, l'autre a dit qu'il va prier Mincha, l'autre va prendre Shnayes. Il y avait un qui l'a dit que lui, c'est lui qui va faire le Kiddush, celui qui va offrir le Chayim avec le Dato. Et quand il y avait ses frères qui l'ont demandé, mais ça c'est matériel. Pourquoi tu cèdes à tout? Tu cèdes sur le Kaddish, tu cèdes sur la prière, tu cèdes sur le Mishnayot, mais c'est toi qui tu veux offrir la fête, la Souda. Il a dit, vous ne pouvez pas de tout s'imaginer combien ça fait dans la Liat Haneshama, cette Souda-là. Ça veut dire, c'est ça qu'il faut savoir. Un mitzvah, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, quand le Rabbi faisait un mitzvah, il payait toujours. Même quand il était au mikveh, toujours il payait une somme beaucoup plus importante qu'un mikveh coûte. Et ça ne veut pas dire que le Rabbi il gaspillait d'argent. Et ça ne veut pas dire que le Rabbi il a eu d'argent. Le Rabbi, tout l'argent qu'il a reçu, il y avait la caisse générale. Il prenait pour lui seulement par un chèque, comme il prenait à l'époque des rabbins précédents, un chèque minimum pour la vie. Et même, le rabbin l'a dit, et le rabbin Sunna l'a répété, qu'elle notait toutes les dépenses qu'elle a eues. Le rabbin a demandé à la rabbin Sunna de noter toutes les dépenses. C'est-à-dire, c'était tout compté. C'est-à-dire, c'est pas une question que le rabbi, il payait pour un mikveh, je ne sais pas combien, $20 ou $30 pour chaque mikveh, ça veut dire quoi que c'est une œuvre, et donner plus. Non, je ne vais pas donner plus. Parce que le rabbi, il a pris toujours qu'un mitzvah, il a coûté d'argent. Comme l'Arizal, il a dit. Un mitzvah qui ne coûte pas d'argent, ce n'est pas un mitzvah. Et c'est ça que même quelque chose de gâchemé, ce n'est pas seulement faire la mitzvah. Un mitzvah d'a coûté l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quelque chose que la personne, elle a travaillé, que la personne, elle a eu par le sueur. Et avec ça, qu'il est en train d'avoir la mitzvah, à ce moment-là, la mitzvah, elle a toute son valeur. Et comme c'est marqué d'Arizal, qu'il ne faut jamais discuter sur un prix d'un mitzvah. Quand quelqu'un qui demande pour un mitzvah tel prix, il faut le donner. Il ne faut pas dire, tu ne veux pas me faire un prix. Un mitzvah, il n'a pas de prix à faire. Il ne faut même pas demander un prix à faire. Parce qu'un mitzvah, il faut payer comme la mitzvah. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'il a expliqué. C'est ça qu'il a expliqué que la souda, c'est un souda gashmi. Mais c'est ce souda gashmi qui a beaucoup plus, peut-être, de valeur qu'un kaddish ou mishnayot ou autre chose. Ça veut dire, nous, dans Rouchnis, dans spirituel, on ne comprend rien. Rouchnis, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut, c'est pas un compte qu'on peut faire. Rouchnis, c'est une chose spirituelle, on ne peut rien comprendre. Spirituel, une petite chose, que ça peut avoir l'équivalent de 1000 autres choses. Spirituel, on ne comprend rien. Et la même chose aussi, et ça, c'est une souda. Une souda, c'est quelque chose qu'on se réunit ensemble, on dit le chayim ensemble. On peut dire qu'est-ce que c'est tellement important. Qu'est-ce que c'est tellement important de venir, de faire un fabringen ensemble. On aurait pu chacun rester chez lui et apprendre ou faire un autre mitzvah. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est tellement important? Quand quelqu'un qui n'a pas appris la Torah, il se demande la question, qu'est-ce que c'est tout fait là? C'est quoi ça? Comme il demande, « Ma avedez ezotlochem », qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Rachel demande, mais avec des Israéliens, c'est quoi ce genre de travail? C'est quoi ça? C'est pas bringer, ces histoires, c'est quoi ça? Mais avec des Israéliens. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est ça que la Gemara nous dit. Chaque chose, il a l'origine dans Chumash, il a l'origine dans la Gemara, il a l'origine dans le Medrash. Chaque chose, Sidim, ils sont pas venus, ils n'ont pas apporté une nouvelle Torah. Il n'y a pas de nouvelle Torah.